Ne t'arrête surtout pas. Fonce. C'est un rebelle. Calmez-vous. C'est pas un rebelle. Ce n'est pas un rebelle. Mais taisez-vous avant qu'il me repère, bon sang. Je ne suis pas un rebelle. Je n'ai aucune arme avec moi. Je n'ai absolument rien. Si vous n'êtes pas un rebelle, alors qui êtes-vous? Pourquoi vous nous arrêtez? Hé, hey, fiche-nous la paix. Nous n'avons pas le temps de discuter. Démarre-toi. Chef, vas-y, roule. Je voulais vous avertir de la position d'une mine. Mais trop tard. Votre roule là s'est posée dessus. Quoi? Vous foutez de moi ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? N'avancez surtout pas. S'il vous plaît. Si vous faites bouger la voiture, elle va exploser. Et vous allez tous mourir. Comment tu le sais, toi? Qu'est-ce qui prouve que tu dis la vérité? J'attendais un véhicule pour me sauver. Quand j'ai aperçu il y a quelques minutes des rebelles qui posaient la mine. Oh Seigneur! Seigneur nous a posé sur une mine! Allah Akbar! On va tous mourir! Ne vous sentez pas! Ne bougez surtout pas! Ça va sauter si vous restez pas assis! Restez assis, bande d'idiots! Restez tranquille! Réfléchissez. Si vous faites bouger le véhicule, il risquera à tout moment d'exploser. Vaut mieux rester tranquille. Le temps qu'on trouve une solution. Il n'y a pas de temps à perdre ici. Les Romains vont bientôt arriver. Et tous vont massacrer. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. Je ne veux pas finir en cendres. Il faut prier. Il faut juste prier. Si l'un d'entre vous décide de descendre, il réduira le poids du véhicule. Et ça sera comme un pied qui s'élève d'une mine. Ça veut dire quoi, ça? Si quelqu'un sort du véhicule, le poids va baisser. Et tout va exploser. Il faut prier. Dieu est capable de tout faire. Ne nous emmerde pas avec ta prière, toi. Fous le camp et dégage de là, oiseau de mauvais augure. Ils arrivent. J'entends le pas des rebelles. C'est fini.